Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter la Zahrer Torte, une spécialité viennoise inventée par Franz Zahrer. La Zahrer Torte ou Tarte Zahrer est un gâteau au chocolat d'origine viennoise mis au point et confectionné par Franz Zahrer en 1832 pour le prince de Metternich. Franz Zahrer était alors un jeune apprenti de 16 ans qui remplaçait pour l'occasion son chef pâtissier Alité. Plus tard, Zahrer a ouvert sa propre pâtisserie à Vienne. Il est de nos jours la spécialité de l'hôtel Zahrer de Vienne et dans une version concurrente celle du chocolatier Demel. Le gâteau de l'hôtel Zahrer, cuit dans un moule rond, est constitué de deux couches de pâte génoise au chocolat aéré, d'une fine couche de confiture d'abricot au milieu et d'un glaçage au chocolat noir sur le dessus et sur les côtés. Traditionnellement, on la consomme avec un peu de crème chantilly. L'histoire véritable de la Zahrer Torte commence lorsqu'en 1832, le prince de Metternich chargea sa cuisine de cour de créer un dessert particulier pour ses invités de haut rang. Mais, le chef cuisinier étant malade, Franz Zahrer, apprenti de deuxième année, âgé de 16 ans, dut prendre la situation en main. Il inventa alors la Zahrer Torte. Bien que le gâteau n'ait apparemment plu aux invités, on n'y apprêta pas une grande attention. En 1848, après quelques années à Presbourg et à Budapest, Franz Zahrer revient à Vienne, où il ouvrit un magasin de gastronomie. Son fils aîné, Édouard, 1843-1892, se forma auprès du pâtissier de la cour Demel et termina la Zahrer Torte pour en faire ce qui est connu au XIXe siècle. La Zahrer Torte fut ensuite proposée dans l'hôtel Zahrer, fondé en 1876 par Édouard et Demel. Dès lors, la Zahrer Torte est considérée comme l'une des spécialités culinaires viennoises les plus célèbres. Bonne dégustation, bon appétit, guten Appetit!